Loco et Sisoul, voilà. Non, mais j'ai loupé, j'étais bloquée dans les embouteillages. Mais j'adore Enz, je l'aime beaucoup. Merci. Une main n'attache pas le coquille, frère. Une main ne peut pas attacher le coquille, c'est impossible, frère. Ok, bon, moi, c'est ma toute première fois d'être au Douma. Bon, c'était pour venir découvrir l'ensemble des activités qui se déroulaient au Douma. Donc, notamment, j'ai apprécié le défilé de mode. Et j'ai aussi aimé que l'on mette en avant sur la scène des artistes camerounais, l'art et la culture camerounaise en général. Bon, aujourd'hui, je suis venue voir la continuation parce que hier, je suis arrivée à 2h. Et j'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai pu voir Salaciel sur la scène. Et aujourd'hui, j'ai assisté à la battle. Et puis, il y a eu des finalistes. Et j'ai aimé aussi la créativité des défilés de mode. Voilà ce que je peux dire. Jovi d'abord. D'abord. Disons que le Domaf, je suis toujours au Domaf. Donc, chaque année, tous les jours. Donc, les 4 jours, je suis toujours là. Je n'attends pas un artiste en particulier quand je viens au Domaf, je viens voir tout le monde. Voilà, je viens voir tout le monde. Oui, je viens, en fait, je viens pour tout le monde. Donc voilà quoi, c'est l'occasion d'avoir tous ces gars sur la même scène, à petit prix surtout. Donc, et puis d'avoir cette ambiance-là, absolument thug, absolument jeune, absolument urban, absolument Cameroun quoi. Voilà. Honnêtement, c'est Hans. J'aime tout son album et les différents compilés qu'il a pu enchaîner.